Le livre s'intitule euh, Suite inoubliable. Euh, C'est le troisième volet d'une euh, trilogie romanesque euh, commencée euh, avec Armes brisées en 2019 et euh, poursuivi avec Reine de cœur en 2022. Euh, comme dans les deux précédents romans, euh, l'histoire démarre. Euh, en pleine période de guerre. Euh, c'est la période de, de ce qu'on appelle au Japon euh, la guerre de 15 ans, euh, entre 1931 et 1945. Euh, encore une fois, c'est une, euh, une grande histoire d'amour euh, entre un Japonais, un jeune Japonais et une jeune Française. Entre, euh, euh, un, un violoncelliste de génie qui s'appelle Ken euh, euh, Mizutani et une euh, luthière française euh, talentueuse qui s'appelle Hortense Hortense euh, chemite Et euh, bien, bien évidemment, le, le, le vu le contexte de la guerre, c'est un amour euh, contrarié, brisé par la violence de, de l'histoire. Euh, mais euh, quelque chose fait que l'amour cherche ou réussit à, à se frayer le chemin, un chemin mystérieux et secret qui euh, sera découvert par, par des générations postérieures. Et, euh, donc il y, a, il, y a le, le, il y a un couple initial euh, dans les années 40. C'est euh, le couple constitué par euh, Ken et Hortense. Mais euh, euh, 70 ans plus tard, hein, il y a d'autres protagonistes qui entrent dans, dans cette histoire. Il s'agit euh, de Pamina, la petite fille de Hortense, et puis, euh, et puis euh, un violoncelliste. Euh, français qui s'appelle euh, Guillaume Walter et euh, le, euh, ce qui relie euh, le violoncelliste japonais qui a été tué euh, pendant la guerre à l'âge de 25 ans et le jeune violoncelliste français donc euh, qui s'appelle euh, Guillaume Walter, c'est un violoncelle, c'est un instrument euh, de musique qui relie ces deux personnages, parce que tous les deux, ce sont des violoncellistes. Et comme le violoncelliste japonais a remporté un Grand Prix euh, au, au concours international de Lausanne, et à ce titre, euh, une fondation suisse lui a prêté un violoncelle de Matteo Goffriller, qui a été créé en 1712. Et c'est ce même violoncelle qui sera prêté 70 ans plus tard euh, euh, au violoncelliste français Guillaume Walter. Donc il y a un fil qui relie euh, euh, ces, ces deux personnages. Mais euh, je n'en dirai pas plus parce que je ne peux pas dévoiler toute l'histoire. Mais euh, ce qui mérite peut-être l'attention c'est que dans Un brisé, il était question, il y avait un, un, un violon, celui de Nicolas François Guillaume, qui a été complètement détruit, réduit à miettes par un militaire, puis euh, réparé, restauré, ressuscité par, euh, par euh, euh, ce, ce jeune... Euh, euh, adolescent euh, qui, est, qui est caché dans, dans, dans l'armoire et qui deviendra plus tard euh, luthier. Euh, et dans Reine de cœur, il était euh, question d'un alto euh, créé par, un, par un, un certain Masakichi Suzuki, l'un des premiers luthiers japonais, et cet alto s'appelait précisément Reine. Reine. D'ensuites inoubliables qui euh, gravitent autour de la musique de Jean-Sébastien Bach, plus précisément des suites pour violoncelle seule de, de Bach. Euh, il est question d'abord euh, d'un violoncelle, celui de Matteo Goffriller, mais il est question aussi de deux autres violoncelles. Qui sont suscités au XXe siècle, c'est-à-dire bien des années après la création de ce violoncelle euh, vénitien, à deux dates différentes, et qui sont, euh, comment dire, ces deux violoncelles sont créés à partir de, de, euh, du modèle vénitien. Euh, donc il y a à la fois. Euh, un violoncelle du passé, un grand modèle, et puis deux violoncelles euh, d'aujourd'hui qui ont été créées à l'image de ce chef-d'œuvre vénitien. Euh, sur le plan des personnages, on retrouve quelques, quelques figures qu'on a, qu a rencontrées dans les deux précédents romans. Euh, par exemple, il y a... Euh, l'altiste de Reine de cœur, euh, John Mizukami, qui formait dans ce roman le couple initial avec Anna. Mais euh, plus euh, significativement, plus euh, comment dire, massivement, on retrouve le luthier d'âme brisée, euh, euh, donc euh, Jacques Maillard, ou euh, euh, Rei Mizusawa, qui joue un rôle euh, euh, important. Oui, même très important, à côté de, euh, euh, des deux personnages d'aujourd'hui, euh, c'est-à-dire, d'une part, la luthière, qui s'appelle Pamina Schmidt, la petite fille d'Hortense, et puis euh, ce jeune violoncelliste français qui s'appelle Guillaume Walter. Voilà, c'est un peu euh, le, le, le fil narratif, la charpente essentielle de, de mon roman. Euh, je peux peut-être parler maintenant de, du déclic euh, du travail d'écriture, de, de suite inoubliable. Très curieusement, ça a été, euh, ça a été euh, la découverte d'une, ou plutôt redécouverte d'une phrase latine. Euh, assez connue, ou même bien connue, euh, qui est euh, celle-ci, euh, in terra pax omnibus bonae voluntatis, c'est-à-dire la paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Un essayiste euh, euh, japonais, un écrivain japonais essayiste, euh, qui s'appelle Kato Shuichi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, a hein, découvert cette phrase euh, latine dans une euh, circonstance assez particulière, en 1945, euh, à Shinano-Ryuake. shinano, shinano c'est un petit village perdu euh, dans le centre montagneux du Japon. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est un des lieux où se déroule euh, l'histoire de mon roman. Donc le jeune Kato. A découvert cette, cette euh, phrase latine gravée sur un banc. Un banc qui se trouvait dans une espèce de terrain vague, euh, complètement isolé, euh, loin de tous les regards. Et euh, à cette époque-là, le Japon euh, était complètement gangrené par. Euh, un culte fanatique de l'empereur et une dictature militaire exacerbée. Euh, par conséquent, quand ce jeune essayiste euh, écrivain euh, Kato Shuhiti a découvert cette phrase latine gravée sur ce banc, il s'est senti, dit-il, soulagé et même encouragé, euh, prenant conscience qui n'était pas seul, qui n'était pas absolument seul dans cette folie généralisée. Et c'est ce témoignage bouleversant qu'il donne dans un documentaire consacré à son parcours intellectuel. Et c'est ce, ce témoignage qui m'a vraiment envie d'écrire, de construire, de, de créer une histoire autour de cette inscription latine.